le docteur Touré Ali, PDG de Ubu X Bénin. Aujourd'hui, nous voulons vous entretenir très rapidement comment on peut, sur de petits espaces, produire de façon intensive de la nourriture. Présentement, sur ce site de Ubu X Bénin, on a expérimenté sur une petite portion, une parcelle de 20 mètres x 20 mètres, communément appelée Kanti. C'est l'équivalent d'un carré ou un peu moins qu'un carré. Sur ce petit espace, le sec de banane, qui est une technique intensive de production bio, nous pouvons faire 16 secs de banane et sur chaque sec de banane, on a 8 bananiers. Quand vous faites rapidement le calcul, vous pouvez vous retrouver environ à 128 bananiers sur un petit espace comme ça. Et pendant la saison sèche, chaque régime, si chaque plant vous donne un régime et le régime est à 4000, vous faites rapidement le calcul. Et ce n'est pas seulement les bananiers que nous plantons. Vous allez autour des cercles. Nous plantons aussi à l'intérieur des cercles du taro, puisque le taro est une plante qui aime l'ombre et donc les bananiers vont leur servir d'ombre. Et vers l'extérieur des buts que nous créons dans les cercles, nous allons mettre de patates douces. Donc au niveau des patates douces, puisque les patates douces aussi aiment les endroits riches en matière organique et ils aiment aussi de l'ombre, on a chaque plant de patates douces que nous allons planter peut vous donner un kilo de patates douces et vous faites le calcul sur ce petit espace, la quantité de patates douces que peut vous donner un kilo de patates douces. Donc chaque plant vous donne un kilo, vous pouvez faire le calcul rapidement. Et au niveau, dans les espaces qui restent, nous pouvons mettre du manioc. Si on met 128 pieds de manioc, on a des maniocs sélectionnés avec lesquels on peut utiliser pour faire de la FD frites, on peut utiliser pour faire de l'iampidé à la ghanéenne, ajouté avec bien évidemment la banane plantain. Donc, vous voyez que la notion de dire que on a besoin de très grands espaces pour pouvoir produire de la nourriture est un faux problème. C'est une incompréhension. Donc en milieu urbain et périurbain, moi je suis entièrement convaincu que nous pouvons créer énormément de nourriture. Et puisque dans ces milieux, nous avons la chance que souvent nous avons beaucoup de matières organiques en putréfaction qui peuvent être facilement recyclées dans ces cercles-là. Donc, j'ai fait le tour entre Alada et Aboum et Alada, Aboum et Calavi et Cotonou. Tous ces espaces libres, les carrés non occupés encore, non. Si on les cultive, j'ai fait un calcul rapide pour me dire que nous pouvons nourrir le reste du Bénin avec en cultivant dans ces espaces-là. Et dans ces espaces-là, ce n'est pas nécessairement partout les bananes ou bien les papayes qu'on peut faire. Quand il y a ce qui m'intrigue souvent, c'est de voir dans ces espaces-là que ces espaces-là sont très mal utilisés. Ils sont très mal utilisés en ce sens que quand c'est pas des espaces où on va mettre, ils sont trop petits pour qu'on aille mettre du manioc ou qu'on aille mettre du maïs. Des espaces comme ça, puisque ce que nous mangeons le plus et que nous varions le plus, ce sont nos sauces. Et donc souvent on mange la pâte 5 jours sur 7, mais c'est les sauces que nous varions. Donc c'est des endroits où on doit cultiver des légumes. Et ces différents légumes peuvent donc être utilisés pour faire des sauces. Et comme c'est des endroits qui sont souvent très riches en matière organique, c'est des endroits qu'on fait enrichir très facilement en matière organique, donc, et que ce sont les légumes qui sont exigeants en ces matières, en nutriments, en micronutriments et autres, c'est ces endroits-là qu'on doit donc en principe cultiver les légumes. Je sais que le
problème est que beaucoup de personnes ne savent pas comment s'y prendre. Maintenant, vous avez la solution. Ubu X Bénin est là et peut vous apporter toutes ces solutions-là. Vous avez une petite portion de parcelle, même si vous avez déjà construit sur cette parcelle et il reste 100 mètres carrés, appelez-nous à Ubu X. Donc, envoyez-nous un message à Ubu X Bénin @gmail.com ou appelez-nous au 97 39 57 81. Merci.